salut à toutes et à tous les amis, c'est Floridark, j'espère que vous êtes tous malades. Moi, ça va plutôt nickel. Comment... Je me suis trompé dans l'intro? Excusez-moi, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Et comme vous pouvez le voir, je suis au milieu de l'océan, au beau milieu de nulle part. Oui, je suis tout en bas de la map. On peut le voir d'ailleurs, tout en bas de la map, il y a les traits de fin de map. Donc on peut pas aller plus loin là-bas. C'est ça, ouais, c'est par là-bas. Donc alors, aujourd'hui nous allons faire une petite usine à mob, une tour à mob plutôt. Parce que je vais avoir pas mal besoin de... Bah maintenant, vu que j'ai les élytras de... pas de glowstone, mais de poudre à canon, excusez-moi. Pour justement pouvoir voler avec les petits engins pyrotechniques, les feux d'artifice. Donc on va s'en faire une. C'est un modèle simple que j'ai trouvé sur YouTube qui... prend pas beaucoup de place et sincèrement pour mon utilité à moi, je pense que ça suffira largement. Donc alors on va commencer tout de suite par construire et monter. Alors je vais vous expliquer à peu près tout ce qu'il faut faire, donc c'est limite comme un tuto, mais je sais pas s'il y aura des coupures, on verra. Ça dépendra de si la vidéo est trop lourde, etc. Il y aura peut-être des petits time lapse, etc. Mais pour l'instant, alors on est à 64 et on est au-dessus de l'eau pour éviter les spawns de mobs. Donc là, bien évidemment, ça disparaîtra, ou alors je le torcherai. Parce que... pour assurer, mais sincèrement, à la hauteur où je serai, là-haut, normalement, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de spawn de mobs. Donc, alors, à la base, on est à 64 au niveau de l'eau. Et le spawn de mobs se fait dans un rayon de, 128 blocs. Donc en gros, on va monter à 129. Donc... 129, ça fait 193 de haut. Allez, c'est parti, on monte. Donc là, c'est l'aspect chiant de la construction, mais c'est pas très très grave. J'ai laissé ma table de craft en bas, mais c'est pareil, j'ai du bois, j'ai laissé mon lit en bas, c'est pareil, j'ai du bois, j'ai ce qu'il faut. Donc on monte. On va pas se cacher, c'est que je vais être obligé de la faire soit une traite, soit mettre des échelles par la suite, parce que à la base, là où j'ai mis un portail du nether, etc. Mais là, j'ai pas pris les blocs qui me fallaient. J'ai pas pris l'obsidienne ni. Enfin, j'ai pas de collinier en portail dans le nether, quoi. C'est dommage, mais bon, on va faire comme ça. Donc c'est parti, on monte jusqu'à 193. Donc on va y arriver bientôt. Donc là, le monde il va pas être petit là-haut, d'ailleurs on peut avoir une petite vue déjà. Waouh, c'est beau. Donc ça, tout ça là, je pense que. Non, logiquement, si je le fais bien, y'a pas de problème, ça pourra pas spawn quand je serai en haut, en train d'attendre les mobs. Mais, je sais pas, on verra. Par pure phobie d'avoir fait mal la chose, on va peut-être le casser, mais je pense pas. Alors, on a 193 de hauteur, donc on monte, on y est presque. Encore 10 blocs. Hop. 190. Bah, j'ai parfait, j'ai ce qu'il faut. 192, 193. Donc là, ici, ça sera. Ah putain, je viens de me rendre compte que, malheureusement. J'ai pas tout prévu en bloc de construction, j'ai même plus de cobble déjà. C'est pas grave. Ce n'est pas très très grave. Ok, donc ici, ça sera notre plateforme de récupération des mobs. Donc en gros, on mettra des blocs de magma dessus, au cas où s'ils meurent pas avec la chute. Mais normalement, la chute est censée les tuer. Ça sera une chute de 30 blocs, donc voilà, ils sont censés mourir à la base. Donc on verra. Alors, ici, c'est la plateforme de récupération, c'est là où on attendra. Après, il faut faire une chute de 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On s'en fout, pourquoi je compte? Je suis con parce que du coup j'étais à 193, j'ai dit, donc il faut monter à 123. Donc là, on est d'accord que si on tombe, il faut refaire une grosse colonne pour remonter. Non, en vrai, si je tombe. J'ai dit quoi, 123, mince? Si je tombe, j'irai chercher du bois et je ferai des échelles dans. Il y a des forêts autour. Donc là, ici. C'est la plateforme où vont être réceptionnés les mobs qui tomberont dans de l'eau, en fait. Ils tomberont dans de l'eau. Ok, donc ça, on ferme comme ça. Je suis en train de dessiner un peu tout ce qu'il y a à faire. Après. Donc, il faut mettre, si je dis pas de bêtises, deux blocs. Et... Oh non, j'ai cru que je les avais pas ramenés. Attendez, parce que là, ça va devenir plus technique. Hop, on va commencer à prendre mon sable, parce que du coup on le fera en sable rouge durci. Tac. Il me faut une table de craft. Ah oui, c'est vrai, je l'ai utilisé en bas. Je la cherchais, mais oui, c'est normal. Voilà. Donc, là, il me faut... faire des blocs durcis, donc ici, et après ce sera des dalles qu'il faudra mettre. Il faudra mettre des dalles en position haute pour pouvoir que ça spawn correctement. Tac, ça. Ok, donc là on va avoir une grosse économie de dalles.
On va prendre ça aussi. Parce que ce sera des deux couleurs. Je sais pas si j'alterne les deux couleurs ou si je fais... Alors attendez, on va mettre une torche. J'ai même pas de torche en moi. Ah, j'ai pas pris de torche. C'est nickel. C'est parfait. C'est nul. Merde, j'ai pas pris de torche. Bon, c'est pas grave. Donc là, il faut monter de 2 au début. Celle-là... Est-ce que je les utilise en bloc de construction? Ouais, de manière, je n'ai plein encore. Ok. Donc là, hop, 2. Et après, il faut mettre un distributeur. Et mon distributeur, il est... Il est où? Ok. Mes distributeurs sont là. Hop. Tac, tac, tac. C'est là que je me dis qu'il aurait fallu que je prenne mes élytras. Je les ai. Mais c'est vrai que j'avais plus assez pour faire des trucs pour voler. Là, des... feux d'artifice. Donc là, distributeur en haut. Ok. Donc, tous les deux, on met un distributeur vers le haut. Jusqu'à la couche 155, 255. Alors attendez, parce que en vrai, on va se les mettre. On va les mettre les uns à côté des autres. Hop, ok. Donc là, distributeur. Donc là, j'en ai mis combien? 1, 2, ok. Allez, go monter. Ok. Logiquement, il faut en mettre 10, mais moi j'ai pas fait les mêmes calculs que le mec qui a fait la tour, je vais pas vous le cacher. Hop, donc là il faut monter jusqu'à cette couche-là, il disait. Et donc après, il faut tout simplement monter jusqu'à cette couche-là, on est bien. Donc là, on est plutôt pas mal. Et là, on va y mettre un... encore un, je crois, si je dis pas de bêtises. Hop, voilà, je crois que c'est ça. Jusqu'à cette couche-là. Trou de mémoire. Alors attendez, je vous reprends tout de suite. Ok, donc je vous reprends. Donc, il faut monter jusqu'à la couche 251, grand maximum. Donc ça dépend comment vous aurez fait votre petite tour, en fait. Moi, je suis à 250. C'est pas très très grave, hein, bien évidemment. Donc après, il faut monter jusqu'à la couche 254. Hop, voilà. Et à la couche 254, il faut essayer de retomber. Hop. Alors attendez. Celui-là, c'est pas évident. Il y a un mob qui a spawn en bas. Donc voilà. Là, on est au niveau-là. Il faut essayer de casser celui-ci et mettre un distributeur, mais cette fois-ci dirigé vers le bas. Donc attendez, je me suis mal pris. Je me suis plutôt mal pris. On va le faire comme ça, de ce côté. Ah, tombe pas, toi, c'est pas grave. Ok, il est revenu, parfait. Donc là, normalement, il est pointé vers le bas. Si je ne dis pas de bêtises. Ok, ouais, il est bien vers le bas. Ok, donc là, on est plutôt pas mal. What? Ah non, je crois que j'avais entendu un bruit. Ok. Donc, là, je pense que ce sera beaucoup plus facile de retomber. Donc, on va aller se faire le mob en même temps. Pas tomber comme ça. À la base, il fallait pas tomber comme ça. Hein, mais c'est pas grave, on va remonter. D'ailleurs, avec ces blocs-là, c'est assez facile à casser. Mais j'étais censé être en sneak, c'est bizarre, je sais pas ce qui s'est passé. Allez, c'est pas grave, on remonte. On remonte tranquillement. Et après, là, on va mettre des observeurs blocs qui regardent vers le bas, en fait. Donc attendez, puisque là, quand vous voulez, je remonte. Ok, j'y suis. De manière, ça, ces tours-là, il faudra les casser par la suite. Ok, donc voilà. Donc là, on redescend ici. Et donc, il va falloir mettre à partir de... partir d'ici... Alors, je sais plus. Je ne sais plus du tout. Attendez, je vérifie un truc. Ouais, si, c'est ça. Faut bien mettre un observer block en dessous de celui-là. Hop. Donc, on met un observer block qui est comme ça. Pas du tout. Pourquoi il fait quoi là? Ah oui non. Pas du tout. Ah mais là. Ah c'est chiant. C'est un peu relou ce qui se passe là. Donc en gros. Lui il est comme ça. Mais il doit. Il doit pas être comme ça en fait. Si je descends de 1 là. Il doit être. Voilà, comme ça. Avec la flèche vers le bas, en fait, tout simplement. Faut que la flèche soit...
Ok, j'ai réussi. Soit vers le bas pour pouvoir identifier les blocs qui sont en dessous, tout simplement. Donc ça, on peut le casser. Hop. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok, donc non. Je me suis trompé. Il faut pas mettre, en fait, cet observer bloc ici. Puisqu'en dessous, il n'y aura plus rien. Donc techniquement, il faut pas le mettre ici. Il faut le mettre là. Voilà, avec la flèche vers le bas, comme je vous dis. On a entendu un clic, je sais pas pourquoi. Ah, mince. Reviens là, toi. Ok, et donc jusqu'en haut, va falloir en mettre vers le bas. Donc on va le faire ensemble. Hop. Sachant que c'est chiant à poser, il faut vraiment que vous mettiez en dessous et pas légèrement sur le côté. Sinon, ça ne marche pas. Ça le mettra sur le côté. Donc voilà. Hop, tout simplement. On monte. Là, par exemple, là je suis trop haut. Hop. Observeur. En plus, on les entend s'enclencher. Hop. 1, 2. 3, à chaque fois je peux monter de 3 et en poser un. Hop. Ok. 3. Donc là en fait on entend les autres aussi s'activer en même temps. S'il y a un changement d'état forcément. Hop. Touk touk touk. Ok. Voilà. Donc. Il en manque plus beaucoup. Hop, et voilà. Donc là. Ok, là ils sont tous mis. Ils regardent bien vers le bas. Donc ça veut dire que ça détectera quand il y aura une source d'eau qui sortira. Parce que ça, oui. Merde. Donc ça, parce que c'est pour mettre de l'eau en dessous. Hein. Enfin, ça sera pour mettre des seaux d'eau dedans, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Alors, on va manger un petit coup, vite fait. Ok. Donc en fait là quand je suis... Ah oui, j'ai oublié une étape en haut. Donc quand on est en haut ici faut monter jusqu'à couche 200. Mais non, ça y est, je l'ai fait, j'ai rien dit. Non mais j'ai rien dit, je suis bourré. Ok, on va le laisser comme ça. Donc quand ça c'est fait, en fait il va falloir tout simplement faire les petits hop les petites plateformes. Donc c'est là où mes planches, mes dalles vont servir en fait. Hop, je casse ça. Ok. Voilà. Donc c'est là où mes dalles en fait vont servir tout simplement. Puisque l'on va. Alors elles sont là, il y en a ici. Hop, et on va monter comme ça. On rebouchera bien évidemment par la suite. Alors, je suis en sneaky. Ok. Donc là, faut les mettre en position haute, tout simplement. Donc, comme ça. Et il va falloir faire, bah, vous savez, hein, comme s'il y avait de l'eau qui coulait. Et donc faire du 8 de chaque côté, puisqu'une source d'eau délivre 8 blocs. Donc là, si vous comptez, ça fait 1, 2, bien, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc, en fait, il va falloir faire ça sur toutes les plateformes. Donc ça, bien évidemment, je vais vous l'ellipser. On va pas se le cacher. On se le reprendrait quand je les aurai fait. Là, je suis pas en train de... je suis en train de parler, donc je ne compte pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire la première ensemble, hein, pour que vous voyez comment faire. Mais c'est tout simple, en fait. Faut faire comme si l'eau... 3, 6... Comme si une source d'eau était mise là actuellement et jusqu'où elle va en fait. Mais il n'y a pas besoin de mettre de l'eau parce qu'on sait exactement ce qu'elle fait. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et donc là, tout simplement, vous remplissez comme ceci. Et à chaque fois, il y aura un décalage de 1 bloc. Plus vous allez vous éloigner du point le plus loin. Donc là, genre par exemple, comme ça, on est bon. C'est tout simple, hein, vraiment. Il n'y a rien de compliqué. C'est juste qu'il faut, fa faut pas tomber parce que sinon faut remonter avec les blocs. C'est pour ça que d'ailleurs j'aurais dû prendre les des feux d'artifice. J'aurais dû recrafter en fait. J'aurais dû prendre le temps de tuer quelques creepers. Mais ouais, parce que j'ai plus de poudre à canon dans mes coffres. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait cette. Voilà. Bon, bah je vous reprends tout de suite. Ok, donc on se retrouve devant notre petite plateforme qui est censée être finie. C'est là qu'on va tester, voir si ça fonctionne bien. Hop.
Eh bien non, qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Attendez, est-ce que c'est pas censé faire ça en fait? J'ai... Oh, what? The fuck? What the fuck? Ok, donc là en fait j'ai mis un partout de trop, je ne sais pas pourquoi. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah mais oui, ok. Bah oui, parce qu'en fait le bloc de source compte pour un aussi. Donc vous savez quoi? On va... Ah, mais c'est relou. Donc non, on va tout simplement casser de 1 à chaque fois. Voilà. Un de chaque côté. Donc là, on en a fait un côté. Là, on fait le deuxième. Voilà. Troisième. Hop. Et quatrième. Ok, donc là, on sera pas mal. Donc là, on va réessayer. Normalement, on est bon. Donc en fait, ça sera pour pousser les mobs qui ont respawn là-dessus. Waouh. Mais what the fuck? Qu'est-ce que j'ai foutu? Je l'ai pas cassé celui-là? Mais dis donc. Ok. Donc là, ça sera pour pousser les mobs qui seront dessus, en fait. Tout simplement. Allez, on récupère ça. Mais pourquoi l'eau ne se récupère plus? Ça, je comprends pas. Ça, il y a un bug. Il va falloir qu'il le fixe. Voilà. Donc en gros, nos plateformes seront toutes comme ça. Donc, je vais les faire en ellipse ou en timelapse, je sais pas encore. Mais je vais les faire. Tout seul, puisque c'est assez long. Me dis pas que j'ai laissé. Non, c'est bon, j'ai ce qu'il faut quand même ici aussi. Ok. Tac. On va se refaire une table de craft. Parce qu'au final, ça demande beaucoup de dalles, je pensais pas. Mais bon, c'est pas grave. On va s'en faire plein. Tac, tac, tac. Sachant qu'après, je décorerai avec les autres dalles. On verra ce que je ferai. Mais... C'est même pas dit, hein. C'est même pas dit en vrai. Allez, bon, c'est parti, les amis. Je vous reprends tout à l'heure. Ok, re, les amis. Alors. Voilà, j'ai fini la partie au niveau des dalles, donc des petits étages. Donc je ne sais plus combien il y en a, je crois qu'il y en a 10 justement. Alors, là on va s'attaquer à une petite partie redstone, mais c'est une redstone tout simple. C'est une horloge en fait, tout simplement. Donc c'est une horloge. Alors, il va falloir faire exactement ce que je viens de faire. Donc, mince, par le malheureusement, j'ai pas... alors, c'est pas grave, je vais vous le dire. Donc ici, de ce côté-là, enfin n'importe quel, hein, vous pouvez partir de ce côté, enfin voilà, tant que vous êtes au même niveau que le dernier distributeur, donc vous mettez des blocs pleins, c'est beaucoup plus pratique de mettre des blocs pleins. Donc, alors, il faut faire 9 d'un côté, donc là il y a 9, donc regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc là il y a 9. Ici vous mettrez un levier. Un levier, donc voilà, 9. Ici ça fera un décalage et vous irez jusqu'à 2 de plus par rapport au distributeur. Donc ici de ce côté de ce distributeur il y aura 2. Et en fait là, si vous partez d'ici, il y aura 8, tout simplement jusqu'à là. En fait, il y a un décalage avec le levier et le petit. Bloc ici. Donc, après, il va falloir prendre mon comparateur. Hop, donc je le mets ici, je le mets sur la torche allumée. Après, j'ai ma redstone qui est ici. Ok. Donc, la redstone, on va la placer, si je ne dis pas de bêtises, pas comme ça, non, c'est pas ça. Donc là, on va mettre des repeaters. Donc, je vais les régler après, mais ils seront tous sur 4. Ok. Donc, voilà, on avance. Ok. Tac, tac, tac. Je le mettrai tous après, hein, vous inquiétez pas. Ici, il faut en mettre un aussi. Après, pareil. Donc là, on voit plus le distributeur, c'est pas très très grave. Après, ici, il va falloir tourner, comme ça. Mettre des repeaters jusqu'au bout, là-bas. Juste ici, on n'en met pas. Après, un ici. Hop, ça comme ça. Et après, ça va tout simplement 1, 2, 3. Comme ça, jusqu'au bout. Voilà, on va tous les régler. Donc sur 4. Ils doivent tous être sur 4. Tout simplement. C'est le temps que l'eau sera distribuée en fait. Pour pouvoir laisser le temps aux mobs de tomber, tout simplement. Hop. Donc ils sont tous sur 4. Voilà. Donc si vous voulez, on peut activer. Vous allez le signal, vous allez voir. Donc là, voilà, ça distribue. Et là, ça reprend. Donc là, en fait, les mobs sont tous tombés. Mince, il est reparti faire un tour. C'est pas grave. Ok, voilà, tout simplement. Donc là, ils sont
ils sont lancés. Donc ça fonctionne. Ça, c'était mon coffre, on le récupère, tout simplement. Hop. Alors, en fait, il est fortement conseillé au-dessus de faire une dalle, une grande dalle, mais je pense que je vais la faire pour pouvoir faire spawner le mob en dessous. Je le ferai sur la fin, je vous expliquerai de combien. Mais là, il va falloir faire le système de récupération des mobs en dessous avec de l'eau. Donc, on va faire ça. On va. Par la suite, on mettra vraiment tout à la fin. Au niveau de l'eau, etc., dans les trucs, on mettra ça à la fin. Donc là, on descend. Je fasse gaffe parce que. Ah, bah vous avez vu, ça spawn, je sais pas où elle est. On va faire gaffe. Ah, il est là. Oh oh. Vous l'avez entendu comme moi. Ok. Bon. Pas grave. Ok. On va mettre des torches ici parce que sinon ça peut être dangereux. Donc en fait là, le système de récupération sera ici. On va juste fermer ça. Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai ça. Ça pour l'instant c'est mon repère pour savoir où est-ce que j'ai fait le trou pour monter jusqu'en haut. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un portail du Nether, comme ça m'évite de remonter avec des blocs maintenant. J'ai tout simplement. J'ai juste à passer dans le Nether. Tout simplement. C'est plus pratique. Donc ça sera ici. Le système de récupération des mobs. Il sera ici. Il est tout simple. En gros, il est. La personne qui le fait avec des vitres. Donc la personne déjà, je vais la citer, ça serait mieux parce que quand même, j'utilise son usine. Enfin, je sais pas si c'est de lui ou pas. C'est Bébé Zra. Attends. Bébé... Non, c'est Bébraz. Bébraz. Bon, voilà. Excuse-moi hein, si j'écorche ton nom et que tu me vois, mais je pense pas que tu me verras un jour. Parce que, voilà, j'ai que 300 abonnés. Donc, ici, il faudra faire le système de récupération des mobs. Alors. Donc, ça c'est notre trou. Ça c'est notre trou, sachant qu'ils passent tous, quoi qu'il arrive. Il va falloir. Alors, comment je vais le faire en fait? C'est ça la question. J'ai quoi? J'ai du sable rouge là-dedans? Est-ce que je fais tout simplement tout en sable rouge? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, bah vous savez quoi? On va faire ça. On va tout faire en sable rouge. Donc, mince. Ah oui, bah je suis plus pratique ce que je viens de faire. Tac, tac, tac. J'espère juste que les vampires. Les fantômes, pardon, ne vont pas spawn. On va mettre ça pour l'instant. Voilà. On va remettre la redstone aussi. Ok. Alors. On va crafter nos blocs. Nos petits blocs. De grès rouge. Et ça, vous allez voir, c'est très simple. C'est pas long, mais c'est embêtant, mais c'est très simple. C'est chiant à faire parce que c'est. C'est au-dessus du vide, faut se sneaker, c'est long en fait. Mais sinon, il n'y a rien de compliqué. Dalle. Non, non, pas de dalle justement. Non, là, il n'y a pas de dalle. Là, c'est tout en bloc plein. Donc, on va tout prendre parce que sinon, je n'aurai jamais assez. Hop. Et on va tout faire. J'espère que j'en aurai assez. Après, c'est pas grave. S'il faut que je finisse provisoirement en cobblestone, c'est pas non plus très très grave. On va pas se le cacher. Allez. Ok. Donc là on est bon. Tac, j'ai que... Ah, j'ai pas grand chose en bloc en vrai. J'ai pas grand chose. Alors, maintenant. Ah, il y a un squelette en bas. Mais comment il a fait pour spawn sur le portail? Il me voit là? Non, je suis à 30 blocs, il peut pas me voir normalement. Il n'est pas censé me voir. Donc, on va le laisser tranquille, il a un arc enchant. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Donc ça ici c'est le trou en fait. Ce qu'il y a en cobble, ça sera le trou. On va déjà faire ça autour. Voilà. Donc, on fait ça autour. En fait, ça va faire une sorte. Un peu de plateforme comme on a ici. Mais en plus gros. Un plus gros, un tout petit peu. C'est pas non plus. Plus gros de beaucoup, mais voilà, un petit peu plus gros. Donc, alors, faut juste que je compte parce que je me souviens plus exactement. Donc, il va de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Ok, ça va de 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, je pense qu'il va falloir torcher après parce que ça va être assez le bordel sinon. Donc il faut faire de 3 comme ça, de 8. Ok.
Voilà. Et on va faire ça de chaque côté. Comme ça. Non, pas comme ça. Attendez, parce que là je suis à... Oula, j'ai failli me... Ouais, j'ai failli me creuser. Donc là je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc une fois qu'on a fait les 8 de côté, il faut après rejoindre les bouts comme ceci et remplir bien évidemment au milieu. Hop, donc ça fait comme je vous dis une plateforme en fait un tout petit peu plus grande qu'au-dessus, mais en soi c'est le même principe. Ça sera pour l'eau en fait, parce que c'est l'eau qui va diriger les mobs vers le milieu et donc les faire tomber. Je pense que j'aurai assez de blocs. Je sais pas. J'ai un doute quand même au final. Parce que là... Ah, j'aurais pas assez. Pas, on finira en cobble et je remplacerai plus tard. Hop. Tant que c'est fonctionnel, de toute manière, c'est le principal. Sincèrement, je sais pas si je la décorerai. Bon, après, je me suis dit, j'ai déjà mis un bloc pas trop dégueu. Parce que j'ai fait exprès de la mettre en rouge. J'avais le choix avec du quartz, mais le quartz, j'avoue que ça coûte cher et j'en ai besoin pour ma salle principale que je suis en train de faire. Là, comment ça s'appelle? D'ailleurs, il y aura un épisode dessus. C'est une salle où, en fait, je vais agrandir la salle des coffres. Elle est clairement trop petite au final. Je pensais que ça suffirait, mais pas du tout. Mais donc, ça sera une salle des. Oh putain, j'ai eu peur. C'est un creeper qui est tombé en plus, je crois, au-dessus. Donc, ça sera une. C'est dangereux là. Oh là là, la vache! Ah, c'est grave dangereux, faut que je dorme. Attends, il est où mon lit? Ah, il est tout en bas. Bah, je dors pas. Eh, j'ai vraiment. Heureusement, j'ai regardé. Hein. Heureusement, j'ai regardé et que j'ai commencé à entendre, je me suis reculé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle a cassé deux blocs. 7, 8. C'est grave dangereux. C'est grave dangereux. Mais c'est pas grave, on a presque fini ce côté. Donc ça fonctionne, hein. Déjà les mobs pop bien au-dessus. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. Pourquoi? Non, c'est bon, j'allais dire pourquoi il y en a trop. Mais non, on est bien. Alors après, ici, de chaque côté, on va avoir une sorte de petit escalier de... Ouh, j'ai failli tomber. Comme ceci. Voilà, 2, 3, comme ça. Mais en fait, là, ce qui va être important, donc là, ça sera pour mettre l'eau, c'est qu'il va falloir le faire tout le tour. Oh, salut l'araignée. Oh, putain, j'aurais dû torcher vraiment. Je suis pas serein là, je vais pas vous le cacher, je suis pas du tout serein. Ma cobble, elle est où? Là-dedans? Ouais, il m'en reste un petit peu. J'espère que ça suffira quand même hein, pour finir. Après, il me reste des dalles. On verra. Il me reste un peu de dalle, c'est pas grave. Si je finis en dalle, de putain. Mon dieu. Casse-toi. Je suis pas du tout serein. Même une flèche d'un squelette là, ça me fait tomber. Hein. Après, j'ai mis mon portail du Nether. Je l'ai pas encore link d'ailleurs, donc ça, si je tombe au final, ce sera mal pour un bien. Je pourrais le link dans le Nether. Cela de manière, faut pas que je le prenne tout de suite. Si je le prends tout de suite, ça va me faire n'importe quoi dans le Nether, donc je peux pas l'utiliser maintenant. Donc, tac, 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 et tac. Après, moi, je casse en dessous. Vous n'êtes pas obligé, mais moi, je préfère. Voilà. Et on va faire pareil ici. Et on n'aura plus de blocs. On n'aura plus de blocs. Voilà. On va essayer de le récupérer, lui. Ah! Pas réussi. Pas grave. On aura assez quand même pour finir ça. Ok, voilà. Donc en gros, ça. Et là, il va falloir faire tous les contours. Et je me demande si je vais pas le faire en ça, en soi. Hein. Attendez, il me reste de la cobble, normalement, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et bah, vous savez quoi? Je vais changer. Parce que je vais faire ça comme ça. Hop. Mince. Tout simplement. Ça va changer de couleur un peu. Je pense que je ferai pareil au-dessus avec les. Casse-toi, casse-toi. Est-ce qu'elle m'attaque? Non, elle a pas. Non, il fait jour. On va le faire tomber quand même si je peux. Hop. Voilà, salut. Elle est morte? Ah, salut, hein! Casse-toi! Hop, donc. Comme ça.
Il va falloir faire tout le tour comme ça. Ah, je l'ai one shot. Ah, ok. Ah, je pensais pas que je l'aurais one shot, sincèrement. Et donc là, après, c'est comme ça. Ah, mince, j'aurais bien voulu récupérer mes blocs de cobble à la base. On va les récupérer. Enfin, on va pas les récupérer, mais on va les casser. Bah oui, mais non, mais ça, c'est un peu con ce que je viens de faire. C'est pas grave. On peut faire ça comme ça aussi, c'est pas mal. Tac, ici. Cobble. Bah attendez, du coup, on va faire ça. Voilà. Donc, en gros, il va falloir faire ça tout le tour. Ok, re donc. Alors, je crois avoir compris pourquoi il mettait du verre ici, tout simplement. On va voir si ça change quelque chose vraiment. En fait, c'est pour les araignées, puisque les araignées s'accrochent aux parois, comme ça, mais elles s'accrochent pas au verre. Donc, on va voir. On va voir ce que ça donne, tout simplement, si ça fonctionne comme ça. Si ça fonctionne pas et que les araignées, je vois qu'elles s'accrochent, enfin qu'elles restent vraiment accrochées, je changerai. Je changerai tout simplement. Mais je le ferai hors caméra, parce que ça, comme je vous dis, ça va dépendre de si ça le fait. Ah, ça fait pas de source d'eau infinie là? Et là? Là, ça fait une source d'eau infinie. Ok. Ah non! What the fuck? Fais-moi une source d'eau infinie? Mais pourquoi? Pourquoi ça ne fait pas de source d'eau infinie? Alors ok, déjà ça fonctionne. Ah ouais, mais non, mais j'ai besoin d'une source d'eau infinie en fait. Alors attends. On va tout reprendre. Et on va se faire une petite source d'eau infinie pour le... De manière, ça peut pas aller là. Donc si ça peut pas aller là... On va le faire ici, hein, la source d'eau infinie. Pas trop trop le choix. J'ai une hache ou pas sur moi? Non. Je n'ai pas de hache. Ok. Ah, c'est chiant. C'est un carré de 4 sur 4. Ou de... Non, 3 sur 3, ça suffit normalement. Ok. Ok, attendez. Donc ça, normalement, ça suffit. Hop. Donc, on va juste faire gaffe à ça. Voilà, on va juste maintenant remplir tous nos seaux. J'ai de la place encore. J'ai plus de place là. Ah, j'ai plus de place, ok. Bon, on va acheter ça. Et on va récupérer ça. Voilà, tout simplement. Allez, go. Go, go. Parce que normalement, c'est censé en faire une, mais bon. Je pense que comme ça descend directement. Ça veut pas. C'est pas très très grave. Enfin, j'espère que ce n'est pas grave. Oh, ça me saoule un peu. On va pas se le cacher. Ça me saoule. Voilà. Hop. Donc là, les mobs vont respawn sur ma gueule. Ça va être marrant. Ok. Tac, tac, tac. On va tous les remettre ensemble. Ça, j'en ai pas besoin. Encore une fois. Hop là. Ok. Donc. Ok. Voilà. Ça s'est mis. Ok. On refait pareil. On va juste après s'assurer que tout est fonctionnel. Ah oui, sachant qu'il faut que je mette aussi au-dessus. Viens. Donc j'aille mettre aussi au-dessus les sources d'eau dans les distributeurs, sinon ça ne fonctionnera jamais. Hop. Il nous reste un côté. Hop
là. Ah, il y a des mobs qui spawnent au-dessus. Là, donc il nous en manque 3. Parfait. Ok. On va re-remplir tous nos seaux pour monter. Pour pouvoir les déposer dans les différents distributeurs. Ok. On va prendre ça. Et on va prendre. Non, mais il me faut des blocs pour monter aussi. Je n'ai plus beaucoup, hein. Pierre taillée. Ah, mais si, il me reste des choses là-dedans. Ce qu'il me reste, mais il me reste des trucs. Bah voilà, tout simplement. Hop. Alors, ici, du coup, on va reboucher ça. Hop. Y a rien derrière moi. Non, c'est moi qui fait du bruit. Ok. Ouais, ça prend sa place, c'est bon. Et donc là, voilà, vous devez avoir ça à la fin. Vous devez avoir ça, tout simplement. C'est-à-dire les 4, les 3 sur 3, donc les 9 blocs de libre. Après, il y a mon bloc qui est là. Ça, on va monter en espérant qu'il n'y ait pas de creeper. On va vraiment espérer pour le coup. Je ne peux pas poser de bloc. Voilà, là je peux. Ah, mais je peux pas monter. C'est une blague. Comment te dire que c'est une blague ça? Bah allez, pose ton bloc! MDR. Donc là, comme je vous dis, on va espérer qu'il n'y ait pas de creeper. Hein. Allez, c'est parti. On met des seaux d'eau. On va se mettre comme ça. Comme ça, au cas où s'il y a un creeper, on est directement sur l'épée. C'est surtout les creepers, hein. Les zombies, ils me font pas peur. Ah, il y a une witch. Ça me fait pas peur non plus, mais c'est quoi ça? Des araignées, ok. Je l'ai mis le saut ici ou pas? Attendez. Ouais. Ok. Ah! Heureusement que c'était pas un creeper parce que sinon c'était mort. Hein. Tac. Oh le bordel. Y'a quoi ici? Ah mais attendez, je peux les avoir ici aussi. Hein. Je peux les avoir. Ok, y a rien. Tac. Ah, y a un creeper. Ok, viens. Merde, il m'a pas vu. Là. Non, 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 non. Oh putain. Aïe. Ah non, surtout pas de repoussoir ou quoi que ce soit. Pas le moment. Ici je l'ai mis. Ici c'est bon. Ok, va falloir les tuer un par un les mobs. Ok, toi t'es mort. Toi t'es mort. Oh la vache. Oh là là. Et ça part sur un mode zombie dans Minecraft. Ok, on est presque arrivé en haut de toute manière. Mais il y a juste là. Witch. En fait, je veux surtout m'assurer qu'il n'y a pas de creeper, sincèrement. Ça, je l'ai mis, ok. Comme ça, en fait, tout simplement. Oh putain. S'il faut, je recule, hein. S'il faut, je descends. Allez, descendez, les gars. Oh, mais j'ai plus de vie! J'avais pas vu ça, que j'avais plus de vie. MDR. Oh le bordel. Il me reste des dalles, ok, bon, bah au moins je pourrais réparer ça. Et là, il faut que tu tues tous les creepers qu'il y a au-dessus. Ah bah viens, ouais, cool. Ok, re les amis, donc on se retrouve pour sans doute la fin de la vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, tous mes seaux d'eau sont dispensés. Donc là, il n'y a pas d'eau, c'est normal, hein, parce que je suis monté avec une tour à travers les trucs, donc... Enfin, à travers les passages, donc forcément, c'est que... Y a un bloc qui gêne pour l'eau, donc c'est pas grave, c'est juste pour... Pour vous montrer. Donc on va mettre en route la machine, c'est parti. Et comme vous pouvez le voir, voilà. Je sais pas tous les X, enfin combien de secondes ça s'enclenche, mais
Voilà, en gros, ça fait on-off automatiquement, et ça laisse le temps au mob de spawner et de tomber grâce à l'eau. Donc c'est plutôt pratique. Alors, on va le laisser en on-off, bien évidemment, mais là, il n'y a pas de mob qui spawn, parce qu'il fait jour, hein, vous l'auriez compris, je pense. Donc, maintenant, on va fermer tous nos... Allez. Oups. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Voilà. Ok, donc là, normalement... Voilà, ça se retire, ça se remet. On n'est pas trop mal. Mince. Tac, tac. Ça. Je tombe pas, j'espère. Ouf, c'était limite. C'était limite. Donc tout fonctionne. Donc comme je vous dis, on remplace les dalles. Voilà, tout simplement. Hop. Voilà. Ça fait une source d'eau? Ah non, j'ai eu peur. Je crois que ça a fait une source d'eau et que ça avait tout cassé. Mais non, c'est bon. Tout fonctionne. Tac. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un bon système. Et puis ça spawn pas mal, on va pas se le cacher, vous allez voir. On a bien vu déjà en construisant la machine que c'était assez chiant. Hop. Bon, j'arrive bientôt en bas ou pas? Ouais, d'accord, ok. Des fois, ça fait des sources d'infini parce que... Bon, c'est pas grave. Je suis à combien de temps, là? Ah bah, c'est l'avant-dernière... Oh putain, je suis tombé. On y est presque. Juste attendre que ça se retire. Hop là. Et voilà. Tout simplement. Donc au-dessus, tout fonctionne normalement. Est-ce qu'on va pouvoir voir d'ici? Je crois que oui. Donc là, c'est éteint. Et là, ça s'allume. Donc, ouais, il y a tout qui est... Ok. Il y a tout qui fonctionne. Alors, en gros, pour avoir du spawn même le jour, il faudrait faire une grosse plateforme au-dessus de 40, je crois. Donc 20 de chaque côté. Je le ferai hors caméra, mais je vous conseille de le faire. En fait, il faut faire une plateforme de 20 de chaque côté. Donc ça, par exemple, ça compte un peu là-haut. Tout en haut, hein, bien évidemment. Il faut faire une plateforme de 20. Et donc faire comme un toit, en fait. Et torche, soit vous mettez les dalles en place basse. Là-haut, donc comme ça les mobs ne spawnent pas. Soit vous les mettez en bloc plein et vous mettez des torches dessus tout simplement pour éviter le spawn. Donc voilà. Donc, bien évidemment, ce n'est pas fini. Oula, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, j'ai un problème là. Attendez, il y a un petit souci. C'est peut-être à cause du. J'ai tout déréglé, je crois. Voilà, ok. Donc là, on remet ça. Hop. Oula! C'est pas censé faire ça. Je pense que c'est parce qu'il y a de l'eau qui est tombée. Ça a tout déréglé. Ça a fait des sources d'eau. Oh non, me dites pas ça. Non, non, non. S'il vous plaît. Si je mets un bloc ici. Bah non. Ah, c'est la loose. Ah, c'est chiant. Bah, je vais m'occuper de ça tout de suite. Ok, les amis, on se retrouve pour cette fin d'épisode. Alors, normalement, j'ai tout réparé. Ça devrait tomber et bah, on va voir, hein. On va voir si ça fonctionne. J'espère que ça fonctionne. On est dans l'attente, voir si des mobs spawnent là-haut. Normalement, ils spawnent, ça c'est sûr. Et ils peuvent pas spawn en bas parce que je suis trop haut. Donc logiquement, voilà. Les voiles. Ah, c'est tout? Ah, c'était peut-être le premier tour de chauffe. On va attendre. C'était peut-être le tour de chauffe. Ah, sachant qu'il y a, ouais, il y a peut-être le problème des araignées aussi. Il faut vraiment que je regarde. Il va falloir que je regarde là-haut. Ah, Creeper, ça fonctionne. Ah, mais non, les araignées tombent aussi. Bah alors. Et voilà les petites araignées. J'ai l'impression que ça spawn pas énormément. Ah, mais si. Ah, mais si. Ah, mais si, ça spawn bien. Écoutez. On est plutôt pas mal là. On a notre tour à mob qui fonctionne nickel avec les creepers qui tombent. Voilà. Je pense que la première descente c'était le tour de chauffe. Et là j'ai combien de poudres de creep? Bon, j'en ai que 6, mais en restant FK pas mal de temps, je pense qu'il y a pas mal.
Il y en aura pas mal. Bon, bien évidemment, je vais automatiser le système de récupération en dessous, on va pas se le cacher, je vais le laisser. Ça, ici, je vous conseille de le mettre, c'est en fait au cas où s'il y a des mobs qui ne meurent pas, genre ceux qui ont Feather Falling, bien évidemment, autour, mettez... là, c'est abrupt, hein, il y aura de la déco et tout hein, chez moi. Mais mettez des barrières pour éviter que, pour éviter que ceux qui ne meurent pas se barrent et vous tuent. Donc mettez des barrières et même peut-être... Ah, j'allais dire du verre. Ouais, peut-être des barrières en verre autour. Comme ça, les araignées ne s'accrochent pas. Je pense qu'il faut même faire tout simplement une tour en verre jusqu'à là-haut, jusqu'au trou de réception. Ça sera plutôt pas mal. Ah, j'ai oublié de la cobble ici. Ça fait dégueulasse. J'irai retirer ça plus tard. C'est pas grave. Vous inquiétez pas. Et donc voilà. Là, pourquoi ça spawn plus? Ah bah voilà. De temps en temps, il y a des petits trous, mais c'est pas grave. Mais quoi? Mais pourquoi déjà il y en a qui m'en donnent pas des creepers, de la poudre? Ça donne pas tout le temps? Ah, en même temps j'ai une looting, donc c'est normal que... Ah bah voilà! Tombez messieurs! Tombez, tombez! Bon voilà, ça fonctionne. Je pense qu'il y a peut-être des trucs à améliorer, donc c'est-à-dire la récupération en dessous. Moi je vais dessus, je récupère. Avec un système de stockage pas automatique, j'arrive pas à le faire sincèrement. J'ai déjà essayé dans ma salle des coffres et j'y arrive pas, mais je peux t'en retenter, on verra. Et donc avec une petite salle des coffres pour les loots et de la décoration bien évidemment. Donc moi je vous dis à la prochaine et salut !